il s'agit de construire un réchaud avec une boîte de conserve. Alors, dans les réchauds à boîte de conserve, vous avez différents modèles. Vous avez des réchauds à simple foyer, comme celui-ci, avec une petite porte pour mettre le bois à l'intérieur, que vous rechargez, puis votre récipient au-dessus qui chauffe avec des évents pour la fumée. C'est pas ce genre de réchaud qu'on va réaliser. Là, ce que je vous propose, c'est de faire un réchaud un peu plus sophistiqué, qu'on appelle un réchaud à double paroi, un réchaud comme celui-ci, un réchaud à pyrolyse. Donc un réchaud qui ne va pas se contenter de chauffer avec les flammes du bois, mais un réchaud dans lequel le bois va se carboniser et les gaz de bois vont remonter, alimentés par l'oxygène de la double paroi qui va chauffer. Les gaz vont sortir et ce sont les gaz de bois qui vont brûler. C'est un réchaud qui va être plus économique au niveau de la consommation en bois et qui va pouvoir chauffer bien plus fort. Donc ce réchaud est relativement simple. Il est fait avec deux boîtes de conserve de récupération, une petite et une grosse. Ou éventuellement, vous pouvez le faire avec une boîte intermédiaire. Il existe une taille entre les deux pour faire le foyer, qui fera un foyer un peu plus grand. Le type de boîte que l'on trouve contenant des rondelles d'ananas, si vous avez déjà mangé. Donc, deux boîtes vides. De préférence, des boîtes à ouverture avec capsule. Ça vous fait des bords qui sont plus propres. Et ça n'a pas une très grande importance. L'essentiel étant d'avoir un rebord ici qui dépasse sur le dessus pour fixer éventuellement une réhausse. Voilà. Le foyer et la boîte. Pourquoi double paroi? Parce qu'en fait ce réchaud est constitué. J'ai du mal à le sortir. Est constitué en fait d'une paroi externe et d'un foyer, une chambre de combustion. Je ne sais pas si vous voyez, j'arrive pas à le sortir. Mais vous avez donc à l'intérieur une chambre de combustion et à l'extérieur une paroi externe. Et la chaleur entre les deux parois qui par convection alimente en air la chambre de combustion. Je vais vous montrer comment réaliser ce réchaud. Donc il vous faut deux boîtes. Une qui va constituer la chambre de combustion, une la paroi extérieure. Sur la boîte qui constitue la chambre de combustion, on va percer des trous en haut de la boîte, tout le tour. Ces trous vont être ceux par lesquels l'oxygène va alimenter et permettre la combustion des gaz. Pour percer ces trous, on va utiliser une perceuse. Moi j'ai une mèche à étage. Si vous n'en avez pas, vous prenez une mèche de 10. Vous percez les trous tout le tour de la boîte. Voilà, des trous comme ça, d'environ 1 cm de diamètre. Il en faut tout le tour. Cette opération réalisée, au fond de la boîte, on va faire une autre série de trous qui vont permettre d'alimenter le foyer en oxygène et donc permettre la combustion à l'intérieur. Donc ici, il faut faire suffisamment de trous pour qu'il y ait une bonne ventilation. Les trous peuvent être un peu plus gros. Voilà. Il est important que l'arrière soit bien ventilé. C'est fondamental parce que c'est cette ventilation qui va permettre qu'on ait une bonne combustion du bois à l'intérieur du foyer pour pas que le réchaud s'étouffe. La deuxième étape va constituer à préparer le foyer, enfin l'enveloppe extérieure du foyer. Et là, ça va être un petit peu plus compliqué. On va découper une ouverture juste au diamètre de la boîte intérieure, un peu comme ici, vous voyez, de manière à ce que la boîte soit enfoncée à l'envers. C'est-à-dire qu'on a une boîte dans ce sens-là, une boîte dans l'autre sens.
découper cette ouverture, il va falloir percer un trou et puis utiliser, moi je vais utiliser une cisaille. On pourrait le faire avec une lime, on pourrait le faire avec un dremel. Ici, je vais donc perforer la boîte. Je repère d'abord le diamètre. C'est facile, comme les boîtes ont des ronds, on se fie à un rond. En l'occurrence là, c'est l'intérieur de la plus grosse marque. Le métal vers l'intérieur de cette façon et permettre à la boîte de rentrer. Elle devra être ajustée le plus possible. Pas une opération difficile, c'est un petit peu délicat, mais ça se réalise très bien. Hop là, voilà. Une fois que ça s'est réalisé, la boîte peut prendre sa place à l'intérieur. Comme vous voyez. Là, notre boîte est pratiquement terminée. Il nous reste une chose à faire, c'est l'aération sur la boîte extérieure, de manière à permettre, comme ici, vous voyez, une entrée d'oxygène qui va ressortir par les trous qu'on a fait ici. C'est-à-dire qu'en fait, on va avoir l'oxygène qui va rentrer là, qui va alimenter le fond du foyer et qui va, par chaleur, monter le long de la double paroi, donc à l'intérieur de la cloison, ressortir par les trous ici, chaude, emmener avec elle les gaz de combustion du foyer et pouvoir se consumer en surface. Donc, on va percer ici une série de trous un petit peu plus gros, en cm, 12 mm. Et pareil, tout le tour. Comme ceci. Voilà. Quand on a une série de trous dans la boîte du bas, on peut fixer la boîte du haut à l'intérieur. Et voici notre réchaud terminé. Alors, pour que le réchaud fonctionne convenablement, évidemment, il ne va pas falloir obstruer le haut du réchaud, sans quoi on aura un problème, le feu va s'étouffer. Si vous faites un feu et que vous mettez quelque chose dessus, ça s'étouffe. Donc il va falloir forcément
qu'on ait de l'air pour permettre la combustion sous le récipient. Donc pour ceci, j'ai fabriqué des Rheos. Je vais vous proposer deux modèles au choix. Vous avez par exemple cette Rheos-ci qui est faite avec le fond d'une autre boîte que j'ai découpée, puis dans laquelle j'ai fait des grandes entailles que j'ai repliées vers l'intérieur, et qui vient se placer juste sur le dessus, permettant ainsi la combustion. Et j'ai fait une entaille un peu plus grande qui permet le rechargement en cours de combustion. Et puis j'en ai réalisé une autre avec du fil de fer fort qui vient également se poser sur le dessus, qui est un petit peu plus haute et qui elle permet également de faire du rechargement en cours de combustion. Voilà, je vous laisse regarder. Il s'agit juste d'un seul morceau de fer qui est plié. Alors quand vous faites ce type de Rheos, prévoyez de ne faire que 3 supports. Parce que 3, c'est stable. Avec 4, vous risquez toujours d'en avoir un plus haut que l'autre. Et quand vous faites bouillir de l'eau dans une gamelle, tout est chaud. Si c'est instable, vous êtes en danger. Bien, on se retrouve pour l'essai de combustion. Merci. Alors, nous voici pour l'allumage du réchaud. Peu importe le type de moyen d'allumage, pensez que ce type de réchaud s'allume par le dessus. Par conséquent, vous allez mettre du bois à l'intérieur. Puis ensuite, que vous choisissiez de l'allumer avec de l'écorce de bouleau, du bois gras, de l'herbe sèche, ça va rien changer. Vous allez faire votre allumage par le dessus, une fois que vous avez rempli votre réchaud avec votre combustible. L'allumage, lui, va se faire par le haut. Donc le réchaud se remplit avec des petites bûchettes, des brindilles bien sèches. Vous choisissez, peu importe le bois, du moment que vos morceaux de bois tiennent debout dans la hauteur du réservoir de votre réchaud. Ensuite, vous allumez votre foyer par le haut. Une fois que l'allumage va être fait, la combustion dans le foyer va consumer le bois comme si c'était du charbon, et puis vous allez voir les gaz ressortir et la flamme se faire autour du réchaud. Donc on va laisser l'allumage commencer. Ensuite vous verrez comment les flammes vont ressortir. Alors surtout, quand vous utilisez ce type de réchaud, pensez à le faire dans un,
dans un environnement sécurisé tout de même. Ne posez jamais le réchaud sur quelque chose d'inflammable. Pas plus sur une bûche de bois que sur des feuilles, surtout pas. Puisque la façon dont est fait le réchaud, avec les trous qu'on a fait au fond, la chaleur sous le réchaud va être extrêmement élevée. Et donc, si vous faites votre feu sur quelque chose d'inflammable, vous risquez de faire un incendie et c'est pas le but recherché. Donc là, par exemple, je suis sur des briques réfractaires, mais dans la nature, je me mettrais sur de la terre nettoyée ou sur une grosse pierre, dans l'idéal. Comme vous pouvez le voir, ce type de réchaud ne dégage pas énormément de fumée, puisque l'avantage du réchaud à pyrolyse, c'est que ce sont les gaz de bois qui brûlent, et par conséquent les fumées également. Donc une fois que la combustion est lancée, vous avez une couronne de flammes qui va se former autour du haut du foyer, là où nous avons fait les trous dans la boîte intérieure. Et normalement, ça doit fumer assez peu. Alors, je ne sais pas si vous voyez les flammes qui sortent par les... Justement, on a l'impression que les flammes sortent par les trous qu'on a fait. Donc, on va pouvoir poser la réhausse et puis mettre notre bouilloire à chauffer tranquillement. Là, on voit nettement les flammes se former sur la couronne du haut du... Et donc, c'est le charbon qui est en train de se former à l'intérieur de la boîte qui alimente ces flammes. On se retrouve quand l'eau bout. Alors l'eau commence déjà à être bien chaude. L'avantage de la réhausse, c'est qu'elle permet le rechargement en combustible pendant que ça chauffe. Alors il ne faut pas que la réhausse soit trop haute pour ne pas perdre trop de température. Il ne faut pas non plus qu'elle soit trop basse, sinon elle étouffe votre foyer. Là, ça fait maintenant 8 minutes que l'eau est sur le feu et elle va commencer à être bien chaude.
pas si vous voyez la fumée qui sort de la bouilloire déjà. On va pas tarder à obtenir une ébullition. Je crois qu'on commence à l'entendre. Voilà, il aura suffi d'une petite poignée de branchettes et puis de 9 minutes pour obtenir de l'eau pour se faire un petit café. Voilà. À la vôtre et merci.